Je pars bien, oui, voilà, tout ça, voilà. Quand tu détaches un truc, je remets dans le bon sens. Voilà, voilà. Remets bien, remets bien. Attends, remets, je vais nettoyer le moteur aussi. Ouais, bah, nettoie bien le moteur. Je t'avais dit quoi là, mes apprentis, c'est bien pour toi. C'est les cas le plus gris, j'ai l'impression qu'il est un peu con. Il est un peu beaucoup débile. Mais pas comme ça, mais ça, ça se met. Oh lol. Gère-le, je vais l'enlever. Gère-le. Oh, gère-le, frère, gère-le. Pourquoi il y avait un bouquet de fleurs dans ton sac? Mais non, mais. Dans ton coffre. C'est pour. Mais frère, j'ai ma vie privée, allô, c'est ma vie privée. Mais là, remets de là dans le coffre. Ça sonne cru là-dedans, Laurent. Remets mon truc dans le coffre, je vais. Allô? Ouais, Choupette? Bah, déjà, c'est toi, Choupette, mais ouais, je écoute you. Eh, y'a un truc de fou là, tu sais, je suis avec Bakary là, on le sent, on se fait. Je suis avec le pick-up là, on est parti faire un tour. Et y'a des conteneurs. Ouais. Y'a des conteneurs, et sur un des conteneurs, y'a une bagnole. Imagine, y'en a dans les. Ben bon, les conteneurs, pareil, ils sont dans l'eau. Tu vois, Choupette, il fait jour, on n'est pas la nuit, c'est pas le moment de rêver là en fait. C'est la vraie vie hein. Non, mais tu vas venir, tu fais quoi là? T'es avec qui? Oh, fils. Du monde là sous. Oh, mais je vais nier. Ouais, je suis en train de réparer ma 206, mais vas-y, envoie-moi une pause, j'arrive. Je t'envoie la pause parce que t'es une victime. Ta gueule, toi, viens là. Ta mère, viens là. Tu crasses mes fleurs. Tu sais combien j'ai payé ça? Tu connais le prix? Tu connais le prix? T'es grand mort. Le prix, tu connais le prix ou pas? Ça, le chien. Bah, 2€. Super mignonne. Les gars. Aïe. Répète-moi ce que tu dis sur mon pote là. Bah, j'ai dit qu'ils étaient mignons. Vas-y, répète. Comme Laura. Aïe. Toi. Aïe, dis pas moi. Ah bah toi aussi tu fais dodo. Eh, y'a Choupette qui m'a appelé. Y'a un conteneur, y'a une voiture dessus. J'ai pas compris. Venez, on va voir vite fait s'il rêve ou si c'est la vérité vraie. Attends, je vais te mettre la pause. Je te mets siège chauffant à l'arrière gauche. Moi aussi je veux le siège chauffant là. Non. T'as la position là? 7 kilos. Ouais. Oh là là, mais il est où lui? Tu peux repasser un peu encore ou pas? Vas-y, bombarde. Faut que tu passes la vitesse parce que là tu vas passer. Attends, mais je crois là t'es en contre-sens surtout en fait. C'est pas. C'est habitude. Bon, bref, si y'a la GN, on est mort. Faut pas se faire péter maintenant là. Mais non, t'inquiète. Passe la 2 là. Non. Toi, juste de faire sauter de la voiture. Oh, ça serait incroyable, ça, putain. Mais attends, il y a un truc que je comprends pas. Il me dit qu'il est avec Bakary, mais qu'est-ce qu'il vient faire avec Bakary ici? Et les deux là, j'ai l'impression ils sont. Un peu comme Glandu. Ouais, voilà, exactement comme Glandu. Ils sont. Tu vois, ils sont. C'est-à-dire? Ils sont quoi, tu vois, ils sont. Tu vois, ils sont Glandu quoi. Ils sont Glandu. Bakary, tu l'as déjà vu à ton garage ou pas? Ouais, bah oui, bah plein de fois même. Waouh, c'est sûr. Méfie-toi ce qu'ils font la nuit, hein, des fois. Ah, ça, je sais pas, la nuit, moi je dors. Qu'est-ce qu'il en passe, ma chef? Oula. Attends, mais il troll pas en fait, y'a vraiment des trucs. Attends, mais quoi? Wesh, y'a un bateau qui a coulé ou quoi là? Ah, tu m'appelles, je suis là, on arrive là, on est avec une Golf rouge. Ah, parce que putain, je me disais, on avait pas que ça à foutre hein. Vas-y, ta gueule, vas-y, on est là. Attends, mais. Aïe, qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais y'a quoi là? Hop, mon pick-up! Mais c'est quoi? Bonjour. C'est quoi tout ce. Bah alors, Glandu, tu tiens pas de nous! Eh, mais vous avez cru que c'est une table à manger? Attends, mais le conteneur rouge là, y'a un. Oui, mais c'est ça, le conteneur rouge, y'a un problème! Alors, je sais pas comment tu sais ça s'est passé. Normanodou, reviens! Qu'est-ce que vous faisiez là à deux, vous? J'avoue que vous faisiez là à deux. On vous a dû tester le. En fait, on est devenu pote, on vous l'a pas dit. Vous testez. Donc, moi, je te vole ton pote, moi. Tu vois, mon pote. Ah, d'ailleurs, je te disais un truc. D'être pote, il veut te buter. Hein? Comment ça? Il a dit pour la M5, s'il trouve celui de nous deux qui a cassé sa M5, ouais, il le bute. Bah c'est toi. Et donc vu qu'il va trouver que c'est toi, il va trouver la vérité que c'est toi. Ok. Il va te buter. Je vais l'enculer. Il va se prendre une dinguerie. J'espère qu'il cavale. Hein. Vous avez vu le marketplace? Ta mère, toi. Arrête, t'as dû acheter les deux buts. Toi et moi, on n'est pas potes. Hein. Mais j'ai fait quoi? Non, moi, je suis pote avec ton pote. Oui, bah, t'es pas pote avec moi. C'est toi, Camille, là. Voici une t'envoie disparition, espèce de chien de la casse. J'ai fait quoi? C'est quoi? C'est où, de quoi? Ok, c'est pas toi? Ok, c'est pas toi? C'est qui m'appelle, là? Ah, c'est Guy qui t'appelle. Wesh. Mais non, mais y'a un mec dans le conteneur. Attends. On fait quoi là? Wesh! Je sais pas le plan, moi j'ai un trail. Là, je vais pas te mentir, c'est un peu épargne, j'ai l'impression là, les voitures là. En vrai, la M3 elle est intéressante, elle le sent. Mais mec, comment tu. Vas-y, ramène-moi la M3 sur la terre ferme là, vas-y. Moi je peux le faire, va te noyer toi, okay. Va, non à toi, crève. C'est con qui va le faire. Les gars, c'est possible de ramener la M3. Comment tu vas ramener la M3? Faut se mettre de l'autre côté. On grimpe là, on passe dans l'eau. Un trail de l'autre côté et on la tire. Ouais, mais gros, les réparations, tu vas en avoir pour plus cher que toi. La bagnole. Ouais, ouais, gros, pense à pas sur réparation, tu vas en avoir pour plus cher. Il y a une Audi là dans l'eau. Il y a une Audi. Ah, mon avis là. Je pense qu'elle est morte la Audi. Du coup, on fait quoi là? On fait quoi? C'est toi le garagiste, frère? Comment ça, on fait quoi? T'es toi? Attends. C'est ton ref qui nous a.
taper le toit. Choupette, vas-y, on fait quoi, Choupette? On fait quoi, mec? On reste genre 2-3 ici. On treuille les bagnoles, on les met sur la route. Est-ce que t'as ce qu'il te faut? Moi, j'ai un treuil et j'ai la bagnole qui a le treuil. Donc ça, c'est bon. Mais il nous fait des camions après pour le transporter les bagnoles. Vu qu'il est garagiste, lui, il nous trouve les camions. Moi et Choupette, on s'occupe de prendre les voitures, là. Et vous allez récupérer des camions à 3. C'est quoi? Ramène 3 camions et on voit, on peut sortir quoi. Il y a une 508 et une mégane qu'on peut. Mais c'est pas du vol là ce qu'on est en train de faire? T'as abandonné tes putes toi. Donc là, tu voles mon véhicule, tu me tabasses, après tu fais la pute ici. Non, vas-y, 3 camtars. Dis-lui de nous ramener 3 camtars ou aller récupérer 3 camtars, je sais pas. Ah bah voilà, on vous attend là avec Choupette et Bakary. Ouais, vous allez aller, ouais, vous allez aller, ouais. Viens, Bakary. Non, laisse là, c'est bon, laisse-le là, je vais m'occuper de lui. Là, t'inquiète, laisse-le là. Quoi? On a 2-3 comptes à régler. C'est bon, hein. Ouais, c'est bon, de ouf, hein. Respire. Vas-y, tu m'attaches. Ouais, recule, on essaie de sortir la 508. Vas-y, je te guide, recule, on essaie de sortir la 508. Bakary, tu le guides à droite, moi je le guide à gauche. À gauche. Oui, stop, stop, freine, freine. Doucement, recule à ta droite, braque à droite. Encore à droite, à fond à droite. Droite, ouais. Voilà, nickel. C'est bon, top. Mets le frein à main, bloc à droite. Attends. Ça, c'est pas le frein à main, ça. Tu feras gaffe, il y a un trou là. Même le pick-up, il galère, t'es en train de me dire. Ouais. Bakary, aide-moi à sortir le train, espèce de con là, au lieu de faire la meuf. Mais je vais t'enculer toi. Fais gaffe, mais toi je vais niquer ta sœur toi. Mais après il va sentir mauvais. Mais toi je vais t'enculer. Mais non, c'est de l'eau. T'as vu, toujours tu casses le treuil. Voilà, t'as niqué le treuil. Mais pourquoi moi? J'ai trop de bras aussi, c'est pas ma faute. Genre casse-les. Aïe, c'est dingue. Tu sais combien ça coûte un treuil comme ça? Deuxième camion. C'est ma faute. Il a niqué le treuil. Non, mais c'est toujours le même qui pose des problèmes là, t'abuses. Range ton doigt, ta grand-mère. Pardon. C'est à cause de mes muscles. J'avais trop de muscles. Vas-y, ouvre le capot. Les gars, tout le monde dans un conteneur, si le conteneur il se retourne, on est mort. Moi, j'ai des flics. Comment ça, les flics? Ah, je rigole. Je vais le niquer. Poussez-vous. Attends, je t'ai débraqué. Avec la force de mes bras. Mon 4x4. Attends, il s'est pas roulé sur 4x4. Oh la merde, oh il est dans l'eau. Oh il est mort. Non, c'est pas dans le bon sens, c'est pas dans le bon sens. La voiture. Mais c'est que le support. Oh le con. Les gars on est dans la merde. Pousse aussi fort que t'es bête. Pousse aussi fort que t'es bête, glandu. Vas-y glandu. Non. Les gars, c'est une catastrophe ambiante. J'ai l'impression que c'est pire en pire. Attends. Bon, on va prendre l'autre. Ouais, voilà. Pousse aussi fort que t'es bête. Vas-y. Attends. Aïe. Là y'a moi. C'est bon. Nickel ça. Là t'es fatigué là. De ouf là genre. Là t'es. Ouais. Mais vous êtes dans la merde les gars. En plus la voiture elle a plus de pare-choc, on a niqué la voiture frère. En plus t'es mal le pick-up. Mais oh lol. Oh la singerie. Mais oh putain. Ramène la sur la terre. Professionnalisme. Aïe. Bravo. Oh putain, je suis rassuré. Je récupère mon pick-up quand même. Ah, je me suis mouillé pour toi quand même. Ah coquine. Tu déposes. Quand les mecs qui commencent à voir comment ça se passe pour réparer, ils m'appellent. Je viens, je vois. Et après on voit comment on se partage l'argent de toute façon. Ça sera sûrement notre clochard là qui est là qui va taper. Vas-y, ben on voit. Vas-y, ben on vous laisse redescendre là-bas. On prend le pick-up, on bouge chez nous. Et puis ce soir on vous dépose le pick-up au pire. Ça marche. Vas-y, ben à la prochaine les frères. Zoui. Vas-y. Prends cette merde là et va chez nous. On te suit, on prend ton pick-up à toi nous. Vu que t'as pas de porte. C'est pas moi qui prends mon pick-up. Parce que t'as pas de porte. Parce qu'il y en a marre, t'as pété la porte. Voilà, c'est ça, t'es pas important. De vie qu'on mène, c'est trop. Mais ils sont compliqués. Je vais où? Bah, suis-nous. Comment elle était compliquée la journée, putain. Mais toi, qu'est-ce que t'es venu faire là en fait? J'ai pas compris, moi, t'as vu. Mais je me baladais en 4x4 avec Bakary, je vais montrer un peu les petites zones, tu vois. T'es amoureux? Bah, non, mais je connais pas trop la campagne. Oui, c'est ça, ouais. Toi, te balader avec un homme ici, y'a rien qui va. T'es en prison, t'as ramassé la savonnette 79 fois et demi. J'étais le boss en prison, j'étais le boss, je te dis. J'avais la main sur toute la prison, tu vois. Ouais, demain, je te crois, ok? Demain. Bah aujourd'hui, si tu veux. Non, demain, je passe et je te crois. Demain, j'arrive comme ça et je vais te croire. Là. Wow, le rocher. Je suis passé à côté, je l'ai pas touché. Ouais. Tu sais que c'est dangereux comme coup de sa grand-mère ici, en fait. Ouais, il y a plein de rochers sur le côté. Et vu que toi, tu roules plus souvent sur le côté. Et vu que moi, je suis un pilote de ouf, tu vois, bah, les rochers, tu connais. Tellement ça drift. Hop. Wow. C'est géré. Japonais, il doit se foutre de notre gueule. Ferme les yeux. Eh, cette journée, frère. Oh là là, c'était une journée de merde, ça. Putain. Ah, catastrophique. Mais qu'est-ce que tu fais? Sauf votre voiture, là, vous voyez pas? Là, vous voulez me dire quoi, du coup? Je voulais te dire quoi? Wesh. La voiture? C'est pas ce que tu crois, vous, c'est oula, bon. Oula, tu fais quoi, là? Non, arrête, casse. Ils ont disparu de la circulation. Seigneur la beauté. Putain, en plus avec les jantes OZ là. Oh lolo. Ça c'est une voiture où tu peux pécho banal. Eh, pourquoi
Oh, j'entends que toi là, putain. Mais non, mais en fait, c'est en train de faire mon. Mais. Ah, allô? Je suis en train de jouer là. Allô? Allul. Essaye de faire vite, s'il te plaît, au 70-92. Il y a les camions avec les véhicules dedans. On n'a pas descendu les véhicules encore. Il y a la gêne qui est devant. Il faut que tu te dépêches de venir brûler les camions là pour pas laisser de preuves. Brûler les camions pour pas laisser de preuves? Oui, il y a la gêne qui est devant là. Je suis enfermé dans le garage. T'es un prank? Tu trolls? Non, c'est vraiment vrai. Mais comment ça, je brûle des camions, mec? T'as vu comment c'est bagarré là juste avant? Pourquoi vous avez pas déchargé les volets, les voitures, les trucs? On n'a pas eu le temps. Et là, déjà, les flics, comment ils savent qu'il y a des trucs dans le camion? Je sais pas. Ils sont devant là, et c'est sûr qu'ils sont pour ça. Ils tournent autour des camions et tout depuis tout à l'heure. Mais mec, si je mets le feu, imagine ça pète. Mettre le feu. C'est pas grave, au moins y'a pas de preuves. Je suis sur Minecraft hardcore là. Choupette. Je suis sur Minecraft hardcore là. Lève. Voilà, viens. Moi, ça lève. Viens, on y va. Viens, ils sont au garage là où la dernière fois ils faisaient du détailing, de je sais pas quoi là. Parce qu'il paraît, ils ont pas déchargé les véhicules et les flics sont devant les camions. Et il m'a dit de mettre le feu au camion. Ah, mais oui, mais attends, prends tes cocktails. Attends, je prends mes cocktails Molotov alors. Là, j'avais dit que je venais pas avec toi. Je vais me retrouver dans la merde. La madame, elle est folle là, madame. Il y en a un autre qui s'est retrouvé dans Il y en a une autre là, il s'est retrouvé grave dans la merde. J'ai pas envie de déchirer mon nouveau t-shirt, hein. C'est le maillot officiel de Messi. Je veux pas que tu te. Ça se voit, c'est que du fake et ça pue la. Mais tu sais que c'est juste en face là. Vas-y, fais un tour. Dis-moi. Oh putain. Vas-y, suis-moi. On est pas cramé là, si on est cramé, tu penses? Derrière le buisson, on est bien, je pense. Ouais, voilà. Jette les cocktails, je cours à la moto. Dès que t'as jeté, tu cours sur la moto, on se pète. Vas-y. Dès que tu jettes le premier cocktail, je me pète. Après, enchaîne. Oh, on est mort, je sais pas ce qu'ils font là, je sais pas pourquoi ils sont là, je sais pas comment que ça se passe. En plus, ils font rien, témoin, ils courent même pas sur lui. Ouais, il les a jetés sur. Oh là. Oh, Sam. Sam, là. Viens vite. Police. Mais tu sais qu'il y a un flic qui m'a tiré dessus? Non. Je te jure, j'ai pris des balles à côté de moi, frère. Moi, je croyais qu'ils m'ont pas cramé tout de suite, hein. Non, mais je crois qu'ils sont cons, quoi, surtout. Parce que moi, j'ai pas pris de balles, hein. Oh, ça me dire. J'ai canardé, par contre, hein. J'ai même touché une fois. Ah, j'ai vu que tu les as enchaînés, tu t'en as jeté même un cocktail sur eux. On a une putain de bagnole derrière nous. T'inquiète, ah, il me pilote. Ouais. On va s'en sortir dans la vie, Choupette, t'inquiète pas, faut s'en sortir dans la vie. T'es moi, ses collègues, ils suivent pas. Oh, t'es moi, il s'est tamponné. Il a failli se le prendre. Il se l'est pas prise là? Non, pas assez. Ah, fils de. Y a une deuxième qui arrive, Ils vont s'auto-tamponner. Oh, c'est bien ça, c'est bien. Mais en moto, ça va être chill en vrai. T'en as largué un. Tu vois, avec ce genre de truc, je les pique. Et là, tu vois, attends. Ils vont jamais dire on est venu là. Tu vois, ils tournent autour, ils sont pas venus ici. C'est qui le beau gosse là? C'est qui a géré? Là t'as géré, j'avoue t'as géré là. C'est qui le plus intelligent là de la TES? Non, quand même pas. Vas-y, remets-toi sur la route là à droite. Ouais, c'est ce que je vais faire. Oui. Oh, Samir là, chocapique. Il nous a pas vu, je crois. C'est quoi là, on va jeter maintenant? Elles vont finir par. Oh, t'es moi, y'en a une qui est en feu là-bas, t'es moi devant. Là c'est parti, là ça va péter. Attends, attention monsieur, attendez. On a des camions à exploser. Ah bah tu sais quoi, je vais t'aider. Voilà. Ah, aïe. J'arrive presque plus. Vous allez bien monsieur? Roule. Ça fait boum je crois, non? Ah mais apprends à viser aussi, mais c'est dinguerie de pas savoir viser comme ça. Jette pas sur. Oh, ah. Ouais bon, ils ont bien brûlé là, je pense que c'est mission réussie. Ouais, je pense que ça va, y'en a un qui a pété et tout, ça va, c'est parti frère. Et puis de toute façon, c'est quoi s'ils sont dans la merde? C'est eux qui sont dans la merde, c'est pas nous? Bah oui, nous on a pas touché au camion en fait. Bah oui, c'est ça. Parce que c'est mis dans la merde nous pour eux en fait. Bah oui, c'est ça, c'est nous, on a voulu les trucs et tout pour eux, frère. T'es mal, là ils sont morts. Vas-y, roule. Là ils sont morts. On a un en moins. Ah oui. On a tout le monde en moins en fait. Avec une moto, mec, tu peux semer tout le monde. T'es mal, il est parti de l'autre côté. Et bah voilà. Ah bah nickel. Ah putain. Elle est facile cette vie qu'on mène en fait. Oui. On peut aller sur une pizza, ouais. Vas-y, va chercher. Tu veux quoi, toi? Un poulet? Ouais, poulet comme d'hab. Ah, c'est fermé? Ah, les bâtards. Pff, vas-y, viens, on rentre à la maison, en vrai. Ouais, parce que je... Bah, on va pas se prendre la tête, de toute façon. J'ai une pizza au congèle, je pense que je vais faire ça. T'as l'habitude de manger du surgelé, toi? Moi, je mange du frais, d'habitude. C'est pour ça que tu pèses 10 000 kilos? Non. Bientôt, c'est en tonnes, carrément, toi. Non, mais moi, ce que je fais, tu sais, j'achète la pizza et après, je rajoute encore dessus, tu vois. Ouais, bah oui. C'est pour ça que t'es grave musclé et tout. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, bah oui, douf, c'est grave pour ça, t'es musclé. Quand tu bois du coca, tu rajoutes du sucre aussi? Bah oui, parce que sinon, tu sens pas, c'est pas assez sucré. C'est comme le café. Dans le café, tu mets du sucre. Bah, dans le coca, je mets du sucre. Bah oui. Évidemment. Qui fait pas ça, hein? Tu vas me dire qui fait pas ça? Bah oui. Ah, d'ailleurs, t'as pas vu ma nouvelle casquette là? Ouais, ça se voit, t'aimes la bouffe. J'ai gagné un concours, j'ai mangé le plus de hot dog. Ah, ça se voit pas, t'as grave un visage fin d'ouf. Je prends pas un pet de gras, rien du tout. Je reste nickel, beau gosse. D'ouf, j'ai quand même de la chance avec ma morphologie. Ouais, grave.
Des fois j'en ai marre d'écouter tes conneries. Je pense que je vais y aller. C'est un mythomane qui me dit ça là. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, monsieur l'agent, vous inquiétez pas, tout va bien chez nous. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Tout va bien. Bonne soirée, monsieur l'agent. Dites-moi, monsieur, vous avez pas vu des gens en moto ou quoi que ce soit? Non, du tout, non. On connaît pas. Vous savez, genre, qui serait parti en ref d'intempérer, qui aurait lancé des cocktails de molotov, c'est des gens très dangereux. Ah, les bâtards, ils ont jeté des cocktails. Ah, merde. Ouais, si on les trouve, on va les emmener en prison à 10 000 euros d'amende. Ah, ouais, carrément. 42 ans de prison. Ah, bah, ok. Si vous voulez, contactez le 17, hein, monsieur. On y pensera, bonne journée.